accompagnée du préambule de la nouvelle constitution, je suis dit, non, il faut que ça un extrait. Le peuple est confiant de ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d'aujourd'hui. Pays arabe, méditerranéen et africain s'honore du rayonnement de sa révolution du 1er novembre 1954. Donc il a l'Algérie, terre d'islam, l'islam, Maghreb, la dimension maghrébine, pays arabe, méditerranéen, africain, mais la dimension amazigh est encore une fois écartée, évincée du préambule de la nouvelle constitution. Donc déjà, ça commence un petit peu fou, normal. Et l'article 3, qui parle des langues, enfin, en usage de l'Alzaïr, donc il a l'article 3. L'article 3, je dis là, l'arabe est la langue nationale et officielle. Point. L'arabe est la langue nationale et officielle. L'arabe demeure la langue officielle de l'État. Yani, l'arabia, tabqa, l'oua rasmiye les deula. Il est créé auprès du président de la République un haut conseil de la langue arabe. Kérinès d'un haut conseil avec un tros. Le Haut Conseil est chargé notamment d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et de la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi que l'encouragement de la traduction vers l'arabe à cette fin. Donc, l'article 3, c'est ce qui parle de la langue arabe. L'article 3 bis, l'article 3. Avec le nucléaire de l'article 3 et la carte de l'Albis. Et l'article 3 bis, je dis, non, Tamazir est également langue nationale et officielle. Tamazir est également langue nationale et officielle. D'ailleurs, Smith Mslein Aftaraf, l'arabe demeure la langue officielle de l'État. Mais Tamazir, faut donner la langue officielle de l'État. Nous allons le prochain. Tamazir est également langue nationale et officielle. Balek officielle, c'est Mouranira, nous allons le L'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Il est créé une académie algérienne de la langue amazigh placée auprès du président de la République. L'académie qui s'appuie sur les travaux des textes est chargée de réunir les conditions de promotion de Tamazir en vue de concrétiser à terme, mais si tout de suite, je souhaite, à terme son statut de langue officielle. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. Cela non seulement cela de la loi organique qui tarde à Béchette, mais on a parlé de Tamazir qui est un sujet. Donc, tout est intensif. Une académie, une première recherche. On a fait un jour, un pic de la soirée officielle. Si donc, un petit peu, si vous voulez, c'est mon avis qui est blessé beaucoup plus. Je considère que c'est une avancée personnellement par rapport à c'est une avancée parce que l'année dernière, mais elle est une avancée. Mais parce que vraiment, mais quand même, c'est une avancée sur par rapport à Tamazir. C'est un éternel combat, justement. C'est un éternel combat. Nous connaissons l'acteur qui vient de Nazca, de Nawiz Afanna. Mais c'est un éternel combat. S'il n'y a pas de question, on dit avec Rayou, la dernière fois, ça fait 2-3 jours, c'est une rencontre régionale de la jeunesse maghrébine. L'Afrique du Nord, donc là, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Libyens. Des gens qui sont très actifs. Donc vraiment, il ne faut pas la vivre comme c'est une minorité. L'Afrique du Nord. Les Amazigh ne sont pas minoritaires en Afrique du Nord.